davantage si vous m'abandonnez maintenant. Attends, chère créature diabolique. Notre gros ami furieux va bientôt apprendre ce qu'est la vraie douleur. Souviens-toi que nous n'avons pas encore obtenu le cristal de ce monstre. Décidément, tu sembles posséder des pouvoirs qu'on peut qualifier d'étonnants, n'est-ce pas, étranger? Oui, étonnant, mais très puissant. Comment es-tu entré en leur possession? Tu n'as pas besoin de connaître l'origine de mes pouvoirs. Tout ce que tu dois savoir, c'est que vous avez besoin de moi. Nous avons besoin de toi? Et moi, j'ai besoin de vous. Attends, qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Ne t'en mêle pas. Avec leur aide, nous localiserons plus facilement le cristal de ce monstre. On peut savoir de quoi vous parlez? Un cristal? Ils ne savent même pas ce que c'est. Chaque tribu en possède un. Il s'agit d'un bijou qui se transmet d'une génération à l'autre. Oh! Il veut parler de ces petites choses brillantes qui ne servent à rien. Dans ce cas, tu as tout à fait raison. Nous savons exactement où se trouve son cristal. Tu as besoin de nous pour le trouver. Et nous avons besoin de ta puissance pour vaincre le roi. Alors? Alors pourquoi ne pas faire alliance? Non! On ne peut pas faire confiance à ces monstres! Je suis d'accord. Désormais, nous sommes alliés. Si j'étais toi, j'écouterais les conseils de ton puissant ami. Souviens-toi, notre territoire et ses dangers ne vous sont pas familiers. Il pourrait arriver bien des choses dangereuses et désagréables si tu nous fais obstacle. Surveille-la de très près. Compte sur moi, Vico. Je ne la quitterai pas des yeux. Ce sont les tigres les plus grands que j'ai jamais vus. C'est très étrange. Il n'y a plus rien d'étrange quand on parle du maître des ténèbres. De plus, nous ferions mieux de ne pas tenter une intrusion à découvert. À moins que nous ne voulions alerter l'armée des tigres blancs tout entière. D'accord avec vous, professeur. Mais je crois